Thank you.
Chairman of Session B, Secretary, IPC Corp, Parliamentary Chairman, Cidade Interna, pelo Membro do nosso mesmo Cristo Filho, Vitor Comunica, Trânia, Militar, Espírito Santo de Deus, pelo que a Sécula Sécula Corpo. Amen.
sind ja auch bei uns die Dienerin Exequent in nomine meo demonia ince linguis loquendo nobis serpente store et simonifum libero dei soceri super egnos manus in polen et bene aber et dominus vidim Iesus postum locutus estetis assumptus est in cielo et sedet ad extris Dei. Ili autem perfecti predicamentum ique domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus sini. Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que les onze étaient à table, Jésus leur apparut. Et il blâma leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus après sa résurrection. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Qui ne croira pas sera condamné. » Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront en main des serpents. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel. Et ils s'assirent à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Veuillez vous asseoir quelques instants. Juste une annonce, dimanche prochain, 2 juin, après la messe de 10 heures, Monsieur Pierre Monferini, directeur de SOS Futur Maman, viendra présenter son association dans la salle du Trésor à côté de la sacristie. Cette association SOS Futur Maman vient en aide aux mamans en difficulté et recherche des bénévoles pour ses centres d'accueil. La quête de dimanche prochain sera également faite pour cette association.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les trois fêtes du temps pascal, Pâques, Ascension et Pentecôte, sont toutes les trois marquées par la notion d'une vie nouvelle. C'est pourquoi ce temps est le temps par excellence de la célébration du baptême, ce sacrement de la vie. Par le mystère de Pâques, notre Seigneur a vaincu la mort et donne la possibilité d'une vie nouvelle à ceux, désormais libérés du péché et de la mort, à ceux qui croient en lui. Par le mystère de la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné aux croyants, c'est-à-dire cette capacité de vivre ici-bas la vie de la grâce en union avec l'Église et les sacrements, en participant à la vie de la Sainte Trinité, et ceci jusqu'à la fin du monde. L'Ascension est aussi un mystère qui célèbre une vie nouvelle. Cette fois-ci, c'est la vie au ciel, la vie définitive. Pendant notre vie terrestre, notre destin n'est pas encore fixé. Et c'est pour cela que nous nous efforçons de faire le bien et éviter le mal. Mais dès que nous arrivons au terme de notre existence, notre sort final sera déterminé, soit au ciel, soit en enfer. Après ce point, il n'y aura plus de changement. Cette fête de l'Ascension célèbre l'entrée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges, les puissances célestes s'en étonnent. Quand il était descendu du ciel pour assumer la nature humaine la première fois, notre Seigneur, le Fils de Dieu, était comme un esprit, car le Verbe n'était pas encore incarné. Lors de sa vie terrestre, sa divinité a été cachée aussi aux yeux des anges, comme elle l'a été pour nous. Et maintenant, les anges exclament « Qui est le roi de gloire ?» selon le psaume, en le voyant monter vers eux et assumer sa place à la droite du Père. Et encore, du même psaume, « Levez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire passera. » Les portes du ciel s'ouvrent à l'arrivée de leur Créateur. Ce mystère est prêché par Saint Pierre le jour de la Pentecôte. Comme David était prophète, il dit dans les Actes des Apôtres, comme David était prophète, elle savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône un fils de son sang. Voyant d'avance, il a parlé de la résurrection du Christ. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Ayant donc été élevé par la droite de Dieu et ayant reçu du Père l'Esprit Saint, il a répondu ce que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté aux cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de vos ennemis un escabeau pour vos pieds, » dit Saint Pierre. Il nous rappelle ce triple mystère de Pâques, Ascension et Pentecôte. La prophétie de David se voit maintenant accomplie. Le Fils est assis à la droite du Père, et le Père et le Fils ont envoyé leur esprit à ceux qui croient en eux. La première épître aux Corinthiens parle aussi de la royauté de Christ. Il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Car Dieu a tout mis sous ses pieds. Et encore, de l'Épître aux Hébreux, le Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis deviennent l'escabeau de ses pieds. Les ennemis du Christ, comme l'a dit Saint Pierre, c'est la mort, le péché ou le diable. Par sa montée au ciel,
il signifie que ses ennemis sont déjà vaincus, réduits, comme le dit le langage biblique, à fournir le vilain escabeau sous les pieds du grand roi. Oui, il est désormais roi de toute la création. Il est roi de la terre où il a vécu. Il est roi aussi des enfers où il est descendu après sa mort pour ramener les âmes des justes d'Adam jusqu'au Baptiste au ciel avec lui, où il forme avec les anges et les saints le cortège triomphal autour du trône divin. Allons encore plus loin, selon Eusèbe de Césarée. Le trône désigne la dignité royale du Christ. S'asseoir, la stabilité inébranlable de son établissement dans la royauté. Être à la droite signifie la participation au bien du Père. Le Fils, en effet, reçoit du Père tous les biens de la droite, bons et salutaires, pour les distribuer. Par cette dernière citation, nous voyons que notre Seigneur n'est pas seulement au ciel comme un souverain éloigné de son peuple, fut-il au comble de sa gloire et de sa puissance. La participation du Fils au bien de son Père signifie la distribution de ses biens à son tour à son peuple. Ce n'est pas un hasard que, dans l'évangile de ce jour, saint Marc dit, le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur était à l'œuvre avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Oui, notre Seigneur distribue les biens qu'il reçoit de son Père. Il distribue ses pouvoirs à son peuple et à l'Église. Il envoie l'Esprit Saint pour continuer cette mission d'enseigner et de baptiser. Le mystère de l'Ascension se trouve étroitement lié au mystère de la Pentecôte, comme nous venons de lire dans ce passage de l'Évangile. Vous pardonnerez donc, bien chers fidèles, que ces quelques remarques abstraites et théologiques. La fête d'aujourd'hui est une des fêtes les plus importantes de l'année. Il convient de se rappeler des raisons de son importance. N'oublions pas donc que le Seigneur est maintenant assis à la droite du Père et il ne cesse de nous donner sa grâce et son esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Thank you.
Celestis
Grazie a tutti.
Jésus-Christ.